Et bien salut tout le monde, c'est Skyman. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un gameplay au sniper OL96A1 plus précisément, donc sur la map Tourisme à Ayman. Une map plutôt sympa pour le sniper. Bon, je fais pas un score exceptionnel, hein. J'ai juste mis ce gameplay parce que c'était... Bon, c'était un petit gameplay au sniper sympa, il y a 2-3 kills assez stylés, des doubles et tout ça, donc je l'ai mis, donc là je commence à faire un premier kill, voilà. Je vais parler un petit peu de Battlefield, de ce que j'en pense, tout ça, le son de la vidéo est pas très fort au niveau du gameplay, je parle, pas de ma voix, c'est un petit problème avec mon AVRmedia, mais bon... c'est pas grave, vous allez voir que là je fais un hit marker en headshot, hein. Donc le netcode de Battlefield est quand même formidable, voilà, et là je vais me faire buter telle une merde alors que j'étais à couvert. J'aurai un autre gameplay aussi à vous présenter à la M416 que je vous présenterai prochainement. J'ai pas pu faire de vidéo cette semaine parce que j'avais un emploi du temps assez chargé, on va dire, et que j'ai essayé de vous mettre plusieurs fois des vidéos de Need for Speed Rivals, un jeu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que je rigole bien dessus, donc je vous ferai une petite vidéo un peu délire dessus. Donc j'ai essayé de vous mettre ça, sauf que mon AVRmedia me casse un peu les couilles en ce moment, soit il y a des problèmes de couleur, soit des problèmes de son, donc j'ai dû acheter 36 millions de câbles, là je me fais cuter par un bâtard, j'ai dû acheter 36 millions de câbles pour avoir le son, donc voilà, donc ça c'est bon. On était pas mal je crois sur le serveur, on devait être une cinquantaine, donc c'était un peu le bordel des fois. Vous allez voir que je vais louper beaucoup de balles, je vais faire beaucoup d'hitmarkers aussi, mais bon ça c'est Battlefield, hein. Au niveau du nouveau pack de map qui sort à la fin du mois, donc c'est je sais même plus comment il s'appelle, Dragon Thief, voilà, ouais bon, Dragon Thief, je sais pas trop. Il y a l'air d'avoir des armes plutôt intéressantes quand même. On a un nouveau Magnum, enfin il s'appelle pas, je sais plus comment c'est, mais ça là ça ressemble pas à un Magnum. On a une MPX, une petite mitraillette plutôt sympathique. On a un nouveau sniper qui, j'espère, sera pas mal. Hein. Et puis on a un bulldog, ça s'appelle. C'est une espèce de mitraillette un peu futuriste. Vous allez voir que je vais mettre aussi quelques petits noscopes bien sympathiques. Voilà, je vais les voir de toute façon. Là, je crois que je viens d'en mettre un. Je regardais pas. J'étais dans les réglages de mon iPhone. J'espère que vous entendrez pas trop. Je vais me faire buter beaucoup de fois quand même, parce que c'est vrai que le sniper c'est quand même la classe la plus difficile à jouer déjà sur Battlefield et la moins polyvalente. Surtout que là c'était ma deuxième game de la journée, justement la première c'était celle avec la M416 que je vous présenterai très prochainement dans un ou deux jours. De toute façon je vais faire tous les montages aujourd'hui, j'ai essayé d'enregistrer le plus de vidéos vu qu'on est dimanche et que j'ai le temps d'enregistrer des vidéos. Là, vous allez voir, regardez, je suis une vraie merde en long shot. Mais bon, ne vous moquez pas. Hein. Donc voilà. Ouais, donc je disais que j'essaierai d'enregistrer le plus possible de vidéos. Donc là, j'ai déjà deux gameplays de Battlefield. Donc le premier que je vous montre là, et puis un deuxième qui arrivera donc, très prochainement. Là je crois que je vais mettre un petit headshot poseille. Alors je ne campe pas, c'est de la temporisation. Il y a des fois où je voilà, mais bon, le plus souvent je suis quand même en rush, hein. Je peux pas dire que je suis un sniper de groupe bâtard qui se met derrière un rocher et qui scope comme une prostituée. Voilà, alors là ce no scope là j'étais assez heureux de le mettre. Il y aurait une petite frag movie aussi qui va sortir très prochainement. Il y a Watch Dogs qui arrive à la fin du mois, je vous ferai direct une vidéo dès le 27 ou le 28 mai, ça dépend comment mon PC le télécharge, en combien de temps déjà. Lui il a essayé de me cut et vous allez voir que
je vais louper toutes mes balles et il m'a ken au DMR, donc la classe la plus pourrie de Battlefield, je dirais, la classe la plus noob. Si vous voulez, c'est un sniper qui one shot en 2-3, en 2 balles et en 1 balle dans la tête, et qui tire vraiment hyper vite, style comme un petit pistolet en fait. Donc c'est vraiment une classe un peu noob, je dirais. Là vous avez, voilà, alors, vous avez la preuve que je suis une merde en long shot comme ça. Ouais, sinon ce sniper il est quand même pas mal à utiliser, hein. Il est assez polyvalent. Il y a juste, je crois, au niveau de la portée qu'il est pas très terrible. Vous avez vu que je me suis mis mon petit logo sur mon arme. Ça fait plutôt stylé. Mais voilà, mais j'essaierai d'en faire plus des vidéos sniper parce que c'est vrai que je kiffe pas mal. Ouais, je kiffe pas mal. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais tout à dire de toute façon? Ouais, bah je ferai. Ah oui, je me suis racheté Minecraft parce que le mien. J'ai eu un espèce de bug. J'ai changé l'adresse email en fait de mon compte Minecraft et ça m'a fait laguer mon compte. Ce qui veut dire qu'en fait je ne pouvais plus jouer à Minecraft. Ça me mettait que la version démo. Donc j'ai dû le racheter. Je l'ai racheté hier. Et donc du coup, je pense faire une petite série dessus. Genre un truc basique quoi. Je ferai. J'aurai une espèce de grande maison et tout, on essaiera de faire un grand village. Puis je ferai, parce que je suis pas mal, pas pour me vanter, mais je suis quand même assez fort en... Pas trop en redstone, ça va, je me démerde. Mais en déco, j'ai le coup de main, on peut dire. Et... pardon. Il faut dire qu'il est que 13h30 et que je viens de me lever il y a à peu près 2h, donc il est encore tôt, hein, pour moi en tout cas. Donc j'essaierai de faire une espèce de petite série, on essaiera de construire un village. Puis pourquoi pas faire un jour Gotham City sur Minecraft, ça pourrait être stylé, ou Arkham Asylum, faudrait que je vois tout ça. Je voulais remercier aussi un abonné fidèle, alors j'espère que je n'écorche pas ton nom, je vais le dire à l'américaine, Benfield, voilà. Donc je te remercie toi en particulier parce que t'es celui qui est le plus actif sur ma chaîne, je dirais. Et je te remercie, voilà. Donc si t'as un PC et que t'as BF ou Need for Speed ou même un compte Origin ou un compte Steam, je t'invite à m'envoyer ton compte Steam dans les commentaires privés, enfin ou comme tu veux, hein, ou une PS Vita si t'as un compte, même PlayStation Network ou un truc comme ça. En sachant que je n'ai pas de Xbox parce que c'est pas trop mon truc, mais voilà. Donc je me fais beaucoup tuer, il n'y a pas trop d'action. Des fois vous allez voir que des fois je mets quand même des petites doubles et tout. Donc voilà quoi, c'était drôle, mais c'est surtout le gameplay à la M416 que je vous présenterai plus tard. Qui était pas mal, je sais pas un score de porc, mais je fais un bon score, voilà. Simplement. Mais c'est vrai que j'étais un peu lassé de Battlefield qui. Donc là, vous voyez un peu le netcode de merde, hein. J'étais quand même à couvert, mais il m'a quand même quitté. Battlefield en ce moment, il me fait. Enfin, avant, je sais pas, j'ai pas trop ragé parce que j'y ai rejoué que aujourd'hui. Mais je rageais comme un porc dessus. Je traitais tout le monde de fils de FTP, pardon. De gros porcs, vas-y et tout. Je gueulais tout le temps. Parce que déjà, c'est sûr que le netcode est vraiment nul. Je vous dis même pas dans Opération Métro 2014. Alors là, c'est le charpie, le bordel. On se met à couvert, on se prend quand même les balles. Il y a des fucking snipers qui campent comme des tasses, voilà. Enfin, c'est pas terrible tout ça, mais j'espère franchement que le nouveau pack de map là, il arrivera fin mai, mais j'espère qu'il sera franchement pas mal, parce qu'apparemment il y a une bombe nucléaire dedans, apparemment, je dis bien. Donc ça pourrait être plutôt cool. Une bombe nucléaire, ça pourrait être bien, je pense. Enfin, ça pourrait être drôle, quoi, pour l'Evolution, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a des trucs un peu nazes. Bon, ça, quoi, au début, c'était drôle, genre sur la bêta, China Rising, là, Siege of Shanghai, l'immeuble s'effondre, c'est drôle au début, mais après, on sent pas les steaks. Voilà, la petite double qui passe crème. Là, vous
allez voir, je vais mettre des hitmarkers, mais vraiment violents. Premier hitmarker, je vais mettre que ça. Et voilà, encore un deuxième. Enfin, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Parce que là, il y a un petit bâtard, j'ai vu juste sa tête en bas. Voilà, RPG, connard. Voilà, quoi. Le RPG, c'est drôle pour buter des hélicos et tout, mais bon, utiliser comme ça, ou vraiment quand il y a un mec qui te casse-couille devant toi, tu butes au RPG, quoi. Mais c'est un peu noob, quand même, je dirais. Là, vous allez voir, je suis bien caillé dessus, et le noscope passe juste à côté, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je te cut, mon cochon. Voilà. Avec ton petit dog tag un peu pourri, je venais de le dire. On est à la moitié du gameplay, c'est pas un gameplay très très passionnant, vous allez me dire, hein. C'est pas non plus the gameplay, best gameplay ever, mais voilà, donc en fait là j'étais posé comme un porc avec mes bretzels et mon coca, ma musique, et puis voilà quoi, c'est parti, mon kiki, comme dirait mon petit frère, mais ouais, j'étais posé, en sachant que c'était la deuxième game de la journée, c'était pas fameux, mais c'était pas non plus immonde. Et là, vous voyez encore que je me mets encore à couvert derrière une voiture et que je me fais encore buter par un soutien, encore une fois d'ailleurs. Et c'est tout simplement le netcom. Et je crois que là en ce moment il y a des espèces de tests qui sont faits. Enfin, je sais pas trop. Parce que EA avait dit qu'il changerait complètement la connexion. Et je sais pas trop, il y a des tests un peu qui ont lieu, je sais pas trop ce que c'est. Mais je crois que c'est ça. Hein. Donc ça serait vraiment cool si on pouvait avoir une connexion bien quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu dégueulasse cette connexion. Alors, au niveau des maps de Battlefield 4, il n'y en a pas tellement en fait. À part Foot Zone, je trouve qu'ils sortent un peu du lot. Sinon elles sont toutes un peu. Elles sont pas pareilles, mais je sais pas, elles sont un peu. C'est un peu bizarre. Ouais, il y a Foot Zone, il y a Opération Locker que j'aime pas mal aussi. Parce que c'est assez intéressant. Elle est assez intéressante cette map. C'est un peu une map couloir, je dirais. Et j'aime pas mal cette map. Mais faudra voir. Elles ont l'air plutôt stylées dans le nouveau pack. Il y a une espèce de. Bah, c'est que des maps à peu près à New York, enfin aux États-Unis. Il y en a une à Washington, il y en a une sur un pont. Il y en a une à côté de la Statue de la Liberté. Et une autre. Mais voilà, hitmarker en headshot. Donc là, j'avais vraiment les boules. Et puis 5 points de vie. Quoi. 5 points de vie. Voilà. Quoi. Donc c'est sûr que le sniper sur BF, faut vraiment bien le maîtriser. Je ne dis pas que je le maîtrise. Hein. Il faut vraiment bien le maîtriser pour commencer à bien s'amuser et à enchaîner 2-3 kills. Sympa. Mais c'est vrai que sur ce Battlefield, c'est un peu dur d'enchaîner par rapport à Battlefield 3. Où on peut enchaîner comme des porcs. Mais là. C'est pas cool. Là j'ai essayé de me mettre à couvert derrière un mur. Mais bon voilà quoi, le truc qui a été explosé. Donc, normal je me prends une balle de Hoog dans la gueule. Mais voilà, donc ouais le gameplay dure 20 minutes quand même. Ça fait un petit peu long. Je pense que je ferai des vidéos un peu condensées. Parce qu'il y a beaucoup de moments plats. Que je pense que je ferai ça dans la. Dans la vidéo, ouais, lui il a pas arrêté d'essayer de me cuter, je sais pas combien de fois dans la partie, mais il a réussi, bravo à toi, connard. Ouais, je pense pas que sur le prochain gameplay avec la Inquette, je ferai une vidéo condensée parce qu'il y a quand même pas mal d'action, surtout au début. Après, à la fin, c'est un peu plus plateaus, mais voilà. Donc, lui il venait de mourir. Pas buté. Ouais non mais sinon ouais là je reprends un petit peu du plaisir on va dire de jouer à Battlefield. C'est vrai que je commençais à être un peu lassé, donc c'est pour ça que j'ai acheté des jeux fun comme Lego Marvel ou Need for Speed, l'histoire de me détendre un petit peu au lieu de jouer et de rager comme un porc sur BF. Vous voyez que les long shots ça passe pas du tout avec moi, je suis vraiment une merde. Là je sais des trucs mais vraiment des tirs au hasard hein, parce que vraiment pour voir ça, essayer de faire un kill, mais bon, ça passait pas quoi. Voilà. Mais j'ai loupé, voilà. Et je dormais. Enfin, j'ai pas tiré, mais voilà. Donc,
C'est vraiment désespérant tout ça, on va dire. Hein. Il y a que des corps partout, j'arrive pas à trouver un mec. C'est vrai que je suis pas trop au niveau du de l'endroit où il faut être. Lui, j'ai loupé pareil. Donc, normalement, je pense que j'aurais pu l'avoir. Et là, mais là, j'avais vraiment. Je crois que cette partie-là, j'aurais pas dû la mettre parce que je passe vraiment pour une merde. Je me fais buter comme une pute. À la scarage, le mec qui m'a démonté quoi. GG à toi, mon garçon. Et ouais, c'est vrai que cette map elle est pas mal. Elle est pas mal. Il y a un Easter egg dessus. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, les Easter egg, c'est les espèces de petits secrets qu'ils ont mis en fait. Comme dans GTA si vous voulez. Mais là, c'est dans BF. Donc, par exemple, dans la nouvelle. Dans le nouveau pack de map Naval Strike, on a le gros mégalodon là. Que j'ai jamais fait d'ailleurs parce que personne ne voulait le faire. Donc c'est un espèce de gros requin qui, géant qui sort de l'eau et qui replonge automatiquement. Sur cette map là, en fait, si on monte tout en haut de la tour et qu'on fait on tire sur l'espèce d'épave de bateau qui est tout au fond, il y a une espèce de lumière jaune en fait qui apparaît, on tire dessus et ça fait exploser le bateau. Donc voilà quoi. Dans le nouveau pack de map aussi Naval Strike, on a une espèce de truc de fantôme et du coup ils vont mettre la suite dans le pack dans le nouveau qui va sortir à la fin du mois. Excusez-moi, je me souviens même plus du nom. Moi je sais même plus. Dragon Thief, voilà. Donc qui va sortir, lui je vais lui mettre un petit headshot. La double, voilà. Oseille. Donc ouais, je fais 2-3 kills sympas, mais bon, sinon je vais beaucoup de fois tuer. De toute façon, on va arriver à la fin du gameplay, donc je pense pas que c'était un peu long, on va dire. Donc voilà, mais au niveau de mes nouveaux projets, bah ouais, je vais faire du Minecraft, je pense, parce que je vais me remettre un petit peu dedans, en sachant que je jouais comme un porc à avoir Minecraft, c'est genre un an déjà. Je jouais comme un gros porc, je m'éclatais bien dessus quand même. Donc je pense que je vais remettre ça en version 2014. Mais bon, c'est sûr que ça sera jamais aussi bien que les grands youtubeurs de Minecraft. Donc là, il y avait un gros porc qui campait. Hein, salutations à toi, le connard. Avec son skin Batman, c'est le seul que j'aime chez lui. Sinon, ouais, il y a beaucoup de gens en soutien. De plus en plus, d'ailleurs, j'ai l'impression, un peu sur Battlefield 4, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens en soutien. Mais en même temps, on tombe quand même très vite à court de balles quand on joue en assaut ou en truc comme ça. C'est vrai que c'est le bon truc de jouer en soutien, mais après faut pas jouer à la buteuse dans des maps comme ça, parce que c'est pas... C'est un peu gros porc qui se la donne. Mais bon, on s'en bat les steaks du moment qu'il s'éclate. Hop, ça passe pas. Grosse merde. C'est vrai que au sniper, en plus, je sais pas ce que j'avais, quand je joue à BF, à la souris, j'ai des espèces de... enfin, j'ai des mains qui sont crispées, en fait. Du coup, j'arrive pas à être assez réactif pour killer, en fait. Donc, c'est un peu chiant. Faudrait peut-être que j'augmente la sensibilité de ma souris. Que, ouais, je sais pas. Je tremble, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, on va la win. Celle-là. Donc là, lui, il va me buter telle une merde, je vais me buter au C4, et ça n'a point marché. De toute façon, il va se faire buter juste après, de toute façon. Voilà, mon gars, hop, bien fait. Ouais, mais sinon, ouais, j'attends aussi, bah, normalement, il y a un nouveau Battlefield qui sort à la fin de l'année, peut-être. Je sais pas, on a toujours pas eu de truc, le seul truc qu'on a vu, c'est Call of Duty Advanced Warfare. Qui a l'air un peu dans le style de... Donc, je vais pas lancer le truc, mais qui a l'air un peu dans le style de... petit kill à la grenade, d'ailleurs. Qui a l'air dans le style, pardon, de Titanfall, un jeu que je n'ai jamais joué et qui ne me tente guère. Ça a l'air un peu dans le style de Titanfall, j'ai l'impression, quand même. Ils veulent un peu faire concurrence. Ouais, je sais pas, on a des espèces de... De mec, là pareil, j'étais derrière le mur, le mec il m'a buté. Ça a l'air un peu dans le style futuriste, genre un peu. Enfin, je sais pas comment dire, genre Robocop quoi. Les humains à moitié mutants. Je sais même plus comment on appelle ça. Enfin, semi-robot.
Ça a l'air un peu bizarre, quoi. Voilà. Je pense pas que je vais y jouer. De toute façon, Ghost, j'y ai pas joué du tout. Moi, de toute façon, les seuls Call of auxquels j'ai joué, c'était Modern Warfare 3, auquel j'ai pas mal joué quand même. Black Ops. Un petit peu MW2. World at War. Et puis voilà, quoi. C'est les seuls auxquels j'ai joué. Donc là, c'est la fin du gameplay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je termine sur un 26-21, qui est un score un peu bizarre. Et puis, salut tout le monde !